construire un millésime à la fois riche, avec une épine dorsale de fraîcheur et un éclat absolument éblouissant. Je pense que le diamant va être d'une grande pureté, va briller de mille facettes et qu'on va toujours avoir cette touche de légèreté, d'élégance qui sont les grands millésimes d'Ikem, parce que justement on aura un doux mélange entre ces quelques petits raisins passeriers, ces grands raisins passeurs, je dirais, qui sont botrytisés. Écoutez, vous êtes en pleine euphorie. Si vous voyez le sourire qu'il y a sur les vendangeurs, sur la maître de chez, qui est d'un naturel souriant de toute façon, sur les statistiques de Francis Meyer, la mémoire qualitative, on n'a plus de point de repère. On est dans une très grande précocité. On a des concentrations qui sont évidemment fortes, mais maintenues, puisque tout est dans la stratégie de bien ramasser les bons raisins à bonne concentration, sur des quantités qui sont relativement importantes. Je ne suis pas là pour faire la publicité de la quantité. C'est absolument incroyable. On pense à 2001, mais quand on regarde les chiffres, on est souvent au-dessus de 2001, en ce qui concerne les référents. Donc en fait, on est complètement hors norme. Et cela me plaît beaucoup. On est un peu comme dans ces grands millésimes, au même titre que 47, 1893, qui ont fait l'histoire de ces crus. 2009, je pense, va marquer. 2009 va marquer. On ne mesure pas le degré de réussite de ce millésime. On sait qu'on est sur l'exceptionnel, mais je pense qu'on est au-delà de l'exceptionnel. Il me tarde d'assembler 2009. Il me tarde parce que la palette que nous avons dans le chai déjà ramassé est absolument sublime. Et là, il ne suffira qu'à prendre des quantités, même des quantités relativement importantes de chacune de ces couleurs, pour faire une des plus grandes synergies qu'on ait jamais faites à Ikem. Comme je dis souvent, c'est toujours extrêmement élégant de voyager dans le temps avec Ikem. Là, on va voyager très loin. Mais par contre, comme tous ces grands millésimes, on a déjà un plaisir à goûter les jus tels qu'ils sont. On aura plaisir à les goûter en primeur tôt et on aura toujours plaisir à tout temps et à tout stade de goûter ce grand vin. C'est vrai que peut-être en 2050, peut-être en 2060, il y aura encore des gens qui seront autour de la table d'Ikem, dans le paysage d'Ikem, dans la tradition d'Ikem, parce que rien n'aura changé, auront le plaisir de goûter ce grand millésime et auront une pensée émue sur ce grand millésime 2009 auquel nous avons participé.